our second discussant, so Vincent Chauvet, mayor of Autun in France. What's your take on what we've heard so far and your question to the panel? Merci beaucoup. Je vais poursuivre en français en donnant un exemple de ce que M. Gruyffroy vient de dire. L'Europe est très diverse et il faut pouvoir aussi, quand on mène des politiques européennes, regarder quelle est la réalité de ce qui existe et comment c'est adapté. Nous avons travaillé avec le Comité européen des régions il y a quelques années maintenant sur les questions de chauffage urbain, les modèles sont différents de région à d'autres, dans des régions industrielles ou des régions forestières comme la mienne, avec des sources d'énergie différentes, avec des réseaux qui existent déjà, et où on a la possibilité de regarder comment décarboner très vite et très fort les questions de chauffage, aussi pour des raisons d'indépendance stratégique, mais à l'échelle de ce qui existe déjà et de ce qui est possible aussi localement. Et on a, je dois le dire, quand même eu à batailler, nous les élus locaux, avec des idées bruxelloises de dire le chauffage central, c'est toujours... ou le chauffage urbain, c'est toujours moins bien que le radiateur électrique qui peut être produit par de l'électricité décarbonée. C'est plus compliqué que ça. Et on a aussi des effets adverses, qu'a dit Cata Tutto il y a quelques instants, et je terminerai par là avant de laisser ma parole à M. Caputo. Quand on demande d'utiliser moins d'eau, on a moins d'eau dans les eaux usées, mais on a aussi moins de consommation d'eau. Nos services publics et le service public de production d'eau, c'est quasiment que des frais fixes. Et donc, moins on consomme d'eau, plus l'eau est chère. Et aller expliquer ça aux habitants, c'est aussi extrêmement compliqué. Donc, on a besoin aussi de partager un peu l'impopularité. C'est très impopulaire d'interdire peut-être les véhicules thermiques, mais ça peut aussi être impopulaire au niveau local d'augmenter le prix de l'eau. Heureusement, en tout cas, c'est le cas en France, j'en terminerai par là, les élus locaux sont encore ceux qui ont le plus la confiance des citoyens, ce qui nous permet de mener des politiques peut-être un tout petit peu plus impopulaires, un tout petit peu plus rapides. Merci beaucoup.